À toutes, je vous montre un petit peu. J'avoue que je me suis lancé un défi. On va y arriver. Hein. Voilà. Donc finalement, je l'avais montré une toile pour mon fameux la suite l'évolution de mon taille Dracula. Une toile comme ça carrée, mais je sais pas la forme. C'est trop carré en fait, trop. Voilà, je sais pas trop forme géométrique. Plutôt les j'aime les arrondis ou alors un peu biscornus. Et bah, ça me plaisait pas. Donc finalement, je suis revenue, je l'ai coupé en forme de tag. Ouais, je trouve que c'est mieux. Enfin bref, moi, c'est mon point de vue à moi. J'ai donc là, je suis en train de voir pour préparer mes fonds. Donc j'ai sorti des photos sur Pinterest, en sachant que je vais venir les retravailler. Forcément, je colle pas et puis bah, ça, c'est fait. J'ai mis du gesso, je suis venue coller donc une image Pinterest là. Donc c'est la tête, forcément vous avez reconnu, du diable. Et derrière de mon tag, donc en sachant que là je vais mettre quelque chose, c'est prévu, je suis venue coller donc une autre photo de chez Pinterest que je reviendrai travailler. Les contours aussi vont être travaillés. Ceci aussi, d'ailleurs, j'ai une idée à voir. Donc voilà, je prépare mon fond. Je sais pas trop ce que. Bon, si je sais oui et non. Là, je suis en train de regarder comment je vais présenter ça. Donc en fait, je suis contente en parlant de ça. J'ai retrouvé le super cristaux que Isa m'a envoyé dans son colis. Je suis contente. J'ai remis la main dessus. J'avais trop bien rangé. Donc je voulais donc mettre des moulages de cadres. Donc je n'ai que cela pour l'instant, j'en ai d'autres, mais il faut que je les réalise. Je les ai encore pas réalisés. Mais dans l'idée, pour vous montrer à peu près, pardon, ce que je compte faire, parce que bon, je voudrais le portrait du comte Dracula. Et malgré toutes maintes et maintes recherches, apparemment, il n'aurait pas eu d'épouse, le vrai comte Vlad, de son prénom. Et puis je n'ai pas de photos. Enfin bref, je vais essayer de bidouiller ça parce que j'aimerais bien que les photos soient à peu près réalistes. Je n'ai pas forcément mis mettre une photo de film, quoique le film de Ford Coppola. Et ils ont des super belles photos, les acteurs top top top. Je ne sais pas trop. Là, en fait, c'est donc de petits cadres. Je vais mettre des photos quand ils sont, on va dire, normaux, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais après, à la fin, là, ça fait moche, mais peut-être que j'arriverai peut-être à faire un truc bien. Donc là, j'ai prévu de mettre donc des portraits du comte et de sa belle, on va dire ça comme ça. Là, je sais pas trop d'y ajouter. Donc là, j'ai su venu mettre donc le fameux ton. Arrivé des cartons de boîte à œufs et mon rebouche truc. Voilà, comme j'avais fait, je ne sais plus, sur la maquette que je vous ai montrée. Voilà. J'ai reproduit cet effet-là sur ma boîte à cercueil, en sachant que finalement, je l'ai recoupé parce que ça faisait trop de hauteur et j'ai mis 1 cm. Et donc, ça fera, c'est pas mal. Je préfère comme ça. Donc, le mettre comment? Je ne sais pas encore si je vais mettre, mais je pense le laisser droit comme ça, puisqu'il va venir s'intégrer dans la bouche de ce. Méchant, méchant. Voilà, ça, c'est le cafard. Donc, j'ai à l'intérieur du cercueil, j'ai collé donc mes petites boules de polystyrène. Toujours pareil, j'avais fait un essai que je vous ai montré comme ça sur un mot de carton. J'ai pas fini, hein, juste j'ai collé donc le cœur de petites frimousses. J'ai mis des espèces de boules de polystyrène. Là, je vais venir retravailler avec d'autres textures. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Enfin, à voir. Et puis forcément avec de la peinture, hein, faire essayer de faire un truc vivant à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pas fini. J'ai commencé à faire le dessus de ma boîte avec les fameuses pierres. C'est pas terminé. Donc je pensais mettre ça comme ça. Si, voilà, je sèche un petit peu si j'aimerais bien mettre des branches d'arbres. J'avais ces trucs-là, mais ça me convient pas. Ça, j'ai peur que ça fasse gros, mais à voir une fois retravaillé forcément, parce que l'arbre, c'est le symbole de la vie. Donc là, il est mort forcément. Voilà, je voudrais m'insérer un peu comme ça,
Voilà. Bien. Ça serait, je pense, parce que moi je change d'avis comme de chemise, je voudrais faire créer voilà, un arbre qui essaye d'entourer, en sachant que là, il y aura toujours l'effet pierre, un peu de boule de polystyrène de collée, pour donner l'effet de tombeau, en sachant que là, c'est pas fini, tout ça, machin. Donc, vous voulez, je pense, faire comme ça. Mais ça va changer. Ils mettent des petites bébêtes un peu partout. Ça, admettons. Je ne sais pas encore. Ça, j'avais dans l'idée de le mettre à l'intérieur, mais je pense que je vais faire un bijou pour mon tag. Ça fera partie, je pense, de là. Je vais faire un petit trou, faire un pendant, faire un bijou au tag. Je ne sais pas encore où l'intégrer dedans. Je ne sais pas. J'ai trouvé des petits morceaux de papier feutrine rouge que je vais intégrer un peu dans mon fond. Que dire d'autre? Donc voilà, donc je suis en train de sécher un peu sur cet arbre-là, sachant que mon fils n'avait que ça en arbre. On peut faire des arbres avec du fil de fer et tout machin, mais faudrait que je regarde ça, je ne sais pas trop. Ou des vraies branches d'arbre. Eh, mais j'en ai plein, mais c'est un peu gros. Il aurait fallu que je trouve du noisetier. Des branches de noisetier, c'est assez souple, il y a moyen de travailler avec ça. À voir, à voir, à voir. Donc ça avance tout doucement, vous inquiétez pas. Y arriver, mais j'y arriverai. Donc là, après, je sais pas trop si je vais y remettre aussi les portraits. Je les ai déjà donc sur mon ordinateur. Je vais sortir l'appareil. Je pense que j'en remettrai un truc là un peu bizarre. Enfin, bref, voilà. Ça commence à machin. J'avais dit que je voulais mettre une photo voilà, de l'apocalypse là, mais. Je sais pas, non. Ça aurait été bien, hein, là, la mettre dans le coin avec le. Mais non. C'est pareil. C'est le même symbole, c'est pareil. Voilà. Bon, j'ajouterai mes belles chauves-souris. Hein. Voilà. Enfin, vrai, j'en sais rien. Faut que je les repeigne. Je ne sais pas encore comment je vais bidouiller le reste. Le derrière, je sais comment je vais faire. Là, le tour de mon tag, je sais comment je vais faire. Là, il faut que j'essaye. C'est l'arbre, les branches d'arbre qui me bloquent un peu. Donc, je vais étudier ça et puis je reviens vous montrer l'avancement de mon grand. Enfin, c'est un grand tag. Hein. Voilà. Soyez patient. Je vous dis des fois, je peux prendre des mois et des mois pour faire rien qu'un truc comme ça. Donc, en sachant que moi, je ne connais pas les techniques, alors j'essaye de bidouiller, puis de faire ça bien quand même, pas faire de coller ça, faire du nimp et machin, parce qu'après, il y a tout un travail de peinture à faire dessus. Et voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!